Donc voilà, à partir de là, c'est très facile de passer dans la position assis planche, la position dite de la petite sirène de Copenhague. On va faire la petite sirène de Copenhague. Allez, on s'assoit. On s'assoit, on appuie sur le coude. Et c'est pas l'anesthésie, c'est moi je pensais que un petit peu, position là. Encore un petit peu. Ça peut pas être ça. Ici, la main. Voilà. Ah, oh, c'est bien. C'est à peine là. On a le mail de ses parents. Alors, on aurait dû le filmer presque avant. J'ai l'impression que c'est quand même mieux. Voilà. Très bien. À Noël, je m'appelle 5. Oh, bravo. Très bien. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'il y a la caméra, parce qu'on te filme. Parce qu'il y a maman qui te filme aussi. Voilà. Ah, très bien. Bon, on est content de cette bonne nouvelle. Tu vois, bon, là, il faut de la patience parce que là, il tient pratiquement. Hein. Première fois, il a fallu le caler. Alors, est-ce que c'est parce que je le cale mieux? Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de lui? J'ai quand même l'impression que c'est un peu mieux. Un peu mieux. Bon, il y a toujours la tête qui part un peu sur le côté. Voilà, donc position assis plage. Donc là ici, on va revenir un peu la main devant. Une position plus normale. Jean-Lucas finalement est d'accord pour le réserve. C'est bien. Tu peux venir par là pour le filmer un peu sous d'autres aspects. Voilà. Non, parce que là, apparemment, doucement, ça voilà. Commence à bien se réveiller, donc c'est dommage de pas... Ni trop en arrière, ni trop en avant. Coucou. C'est bien. Parce que là, la 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 Non, c'est là. Non, il ne juge pas, il n'est pas gentil.
qu'elle voulait. Je ne sais pas. Il faut qu'elle le voie. Pour faire un petit bilan. Retiens la balle. Ouais, je l'ai convoqué parce que quand il est né, il a proposé. Très bien. Bilan de la déglutition. Moi, j'ai je pense pas, par un petit peu. Ouais. On y va. Donc, juste. Oui. Tu vois, c'est quand même plus difficile que l'on connaît. Et le dessert, bon, allez. Comme ça. Et moi, je me sens. Tu viens me voir? Bah, parce que qu'on soit égalité. Coucou. Voilà. Ça pue. Je n'habite pas là. Pour passer de l'autre côté, c'est assez simple. Ici, non, mais oui, j'en ai une. Du coup, je peux rien dire en fait. Et au niveau des membres, doucement. Alors cette position assis plat, je la préfère à la position assis tailleur pour lui, parce qu'il a tendance à être un peu en attitude de batracien. Donc pour lui, c'est beaucoup mieux. On a un membre inférieur qui certes est en rotation externe, mais l'autre est en rotation interne. Et donc ça casse un peu le schème du batracien. Hein? Voilà. Ça, la bonne aide, ni trop ni trop peu. Hein? C'est bien comme ça. C'est bien. Quand vous pouvez être pressé, vous pouvez rester. Oui. L'ambiance. Venez voir, je ferme les yeux, je vais venir. C'est la présence de M. Ré qui excite les ouvrières. Hein? C'est pas un vieux. La présence du bourdon dans la rue excite le travail des ouvrières. On disait autrefois un tricot de peau. Ouais, un tricot de peau. Ah, ça fait. On peut avoir. Alors, voilà, installé sur chevalier servant couché. C'est une première. Et on va voir, en enlevant un peu les coussins, si ça reste. Voilà, doucement. Après avoir été positionné. Voilà. Il arrive à rester. Faut pas s'exciter, faut le laisser un petit moment, puis après. Il a moins de dystonie. Hein, là aujourd'hui, il a moins de dystonie. C'est mieux. On lui a donné le code enfant aujourd'hui? Non, il n'a pas eu besoin. Ouais. Donc, ici, on va essayer de pouvoir se positionner avec des rouleaux pendant un certain temps, des rouleaux, des coussins, et puis après c'est la technique tenir après avoir été mis en position, hold after positioning. On met dans la position et on attend que ça se relâche, le tonus se relâche, et quand le tonus est prêt, et on fait les choses. Ce n'est pas un enchaînement de différentes positions, c'est préparation du tonus, préparation du pied, et quand il est prêt, à ce moment-là, on essaye de lâcher au maximum. Le plus dur, ce sera peut-être l'extension de la nuque, parce qu'il aurait peut-être fallu repasser par la position semi-cabriole. Il faut attendre un petit peu.
il faut bercer pour relâcher. Véronique, c'est vous qui prenez le petit enfant, le petit bébé passé. Et là, on le prend trop. Baptiste. Même pas peur. Non, je vous présente. Il est là. Sans problème. Bon, là, on va enlever déjà celui-là. Il n'aura peut-être pas tout enlevé d'un seul coup. Voyons voir ici. Deux. Et le plus dur, ce sera celui-là. Hein? Le droit fémoral, hein, qui est toujours un peu trop tendu. Ouais, faut attendre, hein, faut attendre. Et c'est pas sûr qu'on l'aurait aujourd'hui. Hein, c'est pas... Je crois que c'est le minimum de ce qu'on peut avoir. Alors après, on revient un peu là. Hop, on va refaire un peu d'extension, de lutter contre l'extension, hyper-extension du cou. Avec la tête au milieu, la rotation. Corrige la position du dos, du cou, deux, les hanches et les genoux, enfin, les hanches et les épaules, après les genoux et les coudes, et enfin les mains et les pieds. Habituellement. Hein. Et là, ce bras qui a tendance à... tourner en flexion, rotation externe, un peu flexion, rotation externe. Voilà. Stala.